continuer. Nous allons fabriquer des syllabes, mais cette fois-ci, moi, je ne vais pas la lire. Tu vas essayer de la lire tout seul à la maison. Et ce qui serait super, c'est que après papa ou maman t'enregistre et m'envoie les syllabes que tu as trouvées. Et on pourra voir ensemble si tu as fait des erreurs ou au contraire si tu ne t'es pas trompé. On y va? Je te mets juste les alphas et à toi d'essayer de lire les syllabes. C'est parti! Prends le temps de bien dire le son des alphas et ensuite tu les mets ensemble. Deuxième syllabe. Je les mets ensemble. Troisième syllabe. Je les mets ensemble. Quatrième syllabe. Je les mets ensemble. Cinquième syllabe. Je les mets ensemble. Et on en fait une sixième. Non, tiens, je vais changer. Et je les mets ensemble. Alors, j'espère que tu as trouvé ces syllabes. Nous pourrons ensemble demain corriger ces syllabes. Et bien sûr, je demande aux parents, si vous voulez et si vous avez le temps, d'enregistrer la syllabe qu'a trouvée votre enfant et de m'envoyer l'enregistrement. S'il y a des erreurs, c'est pas grave. Les erreurs des enfants m'intéressent aussi. Et n'hésitez pas à me l'envoyer via l'application Sisso.